Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Hello guy, comment est la réunion? Bon, je dis une petite boxing d'un moteur et d'un variateur. Ce moteur qui concerne le SS Motor. Hein? Des petits moteurs. Hein? Et du Vario Maxxis. De chez Obi-Wing. Hein? Donc on va déballer ce petit truc. Tu vois, une petite boîte. Bon, il n'y a pas des. Ils ont oublié sûrement de mettre les caractéristiques du moteur, mais moi je sais déjà un peu les caractéristiques de ce moteur. C'est un 4092, hein, en 1650 kV. Hein, voilà. Donc elle fait 40 de diamètre et 92 cm de long. Un axe de 5 mm qui fait environ 18, peut-être 18 ou 20 mm. Voilà. Connectique de 6 mm ventilé. Parce que à la base, ça c'est des moteurs pour le bateau. Mais vous pouvez le mettre dans les AC aussi. Hein. Ok? Bon, la compression est bonne. Voilà. 4092, 1650 kV. Focus là, je sais pas. Non. On dit que ce moteur fait jusqu'à 35 volts. 35 volts, donc vous pouvez. Enfin, moi je peux le mettre jusqu'à 8S. Je peux prendre 8S. Je vais déjà le rouler en 6S d'abord. Et après, on verra le 8S. Ce moteur fait 4200 watts max. Donc, en continu, il peut délivrer 2100 watts. Ce qui est énorme. Ce qui est très, 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 très énorme. Voilà. Parce que moi à la base j'ai pris ça pour faire les speedruns sur ma Kyosho, mais en réfléchissant, je pense que je vais pas le mettre dans ma Kyosho. Non, non, je vais sûrement l'installer soit dans mon OBAO SST, soit dans ma VT. Je sais pas, je m'étais à le mettre dans mon SST en 1650 kV et de reprendre un comme ça, mais en 2000 kV. En 2000 kV pour le mettre dans ma VT. Là au bas au VT. Voilà. Voilà. Donc, hein. Mettre ça là. Et on passe au Vario. Maxxis S-Run, composant pur. Mais comme je vous dis, moi je suis de l'île de la Réunion. Hein. Je fais un peu les trucs pour les gars d'ici. En France, c'est sûr que vous savez déjà le Maxxis. Voilà. Je laisse électronique. Voilà. Ça c'est une bombe de Mario. Voilà.
c'est gros, hein. Regardez. Un petit ventilateur à droite. Super condo. Il était livré avec les XT60. Là, je pense que ça fera la tâche. Je vais mettre un adaptateur. Je vais pas commencer à couper ici. Ah non, non, non. Petit bouton, hein. Super petit bouton. Neuf. Voilà. Classique, hein. C'est classique. Dedans, vous avez les doubles faces pour coller. Et comme là, il y a déjà les trous préinstallés, vous pouvez placer les emplacements. Donc là, ils ont les autocollants, non plus. Voilà, et là, ici, vous avez la notice. Toute la notice pour pouvoir mettre en route ce vario. Bon, il y a une face en chinois. Je crois que je suis pas trop, mais l'anglais, voilà. On va se démerder avec. Voilà. On va se démerder avec. Voilà, ils montrent bien comment calibrer. Hein. Pour calibrer, ils vous montrent comment calibrer le vario au moteur. Donc voilà. Voilà. Il faudra que je passe je prends ça parce que pour installer ça, le truc il est un peu trop court. Voilà. Je prends des fiches comme ça pour installer dessus. Voilà. Ouais, les amis. SS Maxis. Là, pour l'instant, je pourrais pas l'installer parce qu'il me faut les connectiques là. Il me faut faire les rallonges pour le moteur. Par contre, le moteur là, il pourrait aller. Je vais vous montrer. Zoom. Voilà. Là, je pourrais le mettre là ici, par exemple. Attendez, je vais faire une petite manipulation là. Je fais une petite manipulation. Ça va, ça marche pas. Ici comme ça, voilà. On pourra le mettre là-dedans par exemple. D'habitude c'est pas moi qui filme, quand c'est toi qui fais tout c'est une autre chose. Voilà, ça c'est la VT, hein. C'est la VT. Et on pourra mettre ici. Là-dedans, il y a un 4274 de chez Castle. Et là, on pourra le mettre ici, par exemple. Il est beaucoup plus grand. Beaucoup, beaucoup plus grand. La bête de moteur. Je ne l'ai pas encore essayé, hein. J'attends toujours mes batteries. J'attends toujours mes batteries pour ça. Là, peut-être je vais l'essayer comme ça. Parce que j'ai fait une adaptation là pour les prises de 6. Pour les prises de 6 avec là, ça rentre là. Ça c'est un 2200 kV. Ça prend 6S. Ça c'est un 1650 kV. Et c'est plus long. Ça a plus de coupe. C'est plus puissant. Voilà, là j'ai mis un pignon de 20. J'ai mis un pignon de 20 là. Petit pignon de 20.
Mais je pense qu'il va. Il peut l'emmener, hein, il peut l'emmener le pignon de vin. Mais avec celui-là, il va vraiment, vraiment plus l'emmener, quoi. Avec plus de tours. Voilà, plus de tours. Parce qu'il est plus long. Hein. 92, 74. Il y a plus de 1 cm, plus de 1 cm ou 2 cm, je crois. Ouais, presque 2 cm, et c'est beaucoup. Hein. Voilà. Et je pense après que celui-là, il va aller là-dedans, dans mon SST. Voilà. Là-dedans, il pourra aller facilement. Dedans j'ai mon t-shirt passe aux billes là, j'ai mon t-shirt passe aux billes et regardez-moi ça. Franchement je vais l'essayer de la vêter, après c'est là-dedans qu'elle va y aller. Ah oui, facilement. Bon, je vois que l'arbre ici est très 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 long, c'est un 2 cm. Je pense qu'il touchera pas la boîte ici, on verra, hein. Voilà. Je vais lui coller aussi le Mach 6. Je vais reprendre un autre Mach 6. Je vais lui coller un Mach 6 1650 kV. Et peut-être ici le Mach 6 et 2000 kV en SS. Voilà. Moi ça plaisantera pas. Parce qu'on n'est pas là pour plaisanter, nous ici. Nous ici on cherche pas trop l'autonomie, on cherche pas trop ça ici. Ici on cherche la puissance, faut que ça pousse. Bon, il faut un peu de l'autonomie. Allez, si je fais 15 minutes, 15 minutes avec ça, 15 minutes, 15, 20 minutes, c'est largement suffisant. Les 30, 40 minutes, ça m'intéresse pas. Mais je prends deux batteries. Voilà. Ouais, je me lasse vite, moi. 30 minutes, 40 minutes. Non, faut que ça pousse. Faut que t'as des sensations quand tu pilotes. Faut avoir des sensations. C'est ça qui m'intéresse. Bon voilà. Alors, les amis, hein, on va mettre ça. Bon, c'est pas toi qui. Bon. Tu filmes pas. C'est une autre chose. Hein. Voilà. Et un peu ma petite collection. Bon, c'est une petite collection. Hein. Là, ici vous avez ma culchute mémique. Hein? Voilà. Ici c'est ma culchute mémique. Vas-y, va dessous toi. Et voilà ma petite bobinette. Voilà. Ma petite culchute de cœur. Hein? Je rappelle qu'elle fait 151 km/h. Là, je vais arrêter avec les speedruns avec lui, avec elle. Je vais la transformer en short course. Je ferai une vidéo dessus. Hein. Je vais la mettre en short course. En 1/8, il suffit juste de mettre des pneus et changer la carreau, de mettre des pneus short course. Voilà. Et pour faire les speedruns, je pense que je vais me prendre le Arma Limitless là. Ouais. Je vais me prendre une Arma Limitless et pour pouvoir. Atteindre les 200 sans forcer quoi. Voilà, ça peut arriver à 200, mais c'est beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est pour la transmission et tout. Voilà, et il faut chercher des choses renforcées parce que à 200, là, je peux vous dire à 151 km/h, ça va très vite. Mais à 200, ça va encore plus vite. Et il faut faire un fond plat. On a beaucoup de choses à faire. C'est tellement onéreux de le faire, ben, il vaut mieux prendre la Limitless. C'est déjà calculé pour. Voilà, il suffit juste que je mets un bon combo dedans. Voilà, les amis. Terre.
Ce que vous voyez là-bas, c'est ma meule. Hein. C'est ma toute nouvelle meule. Et ouais. Mais je ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu plus la petite bête. Vous voyez. C'est ma nouvelle meule, les mecs. Bon, bref. Bon, on va essayer de faire fonctionner ce moteur, la mettre dans la VT et par la suite de lui installer le Mach 6. Voilà les amis, désolé un peu pour les angles de vision, je vais vous donner un peu le tournis, mais là c'est comme moi qui filme, donc c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est tout, n'oubliez pas de commenter, de liker si vous voulez. Si vous voulez commenter, vous n'avez aucune obligation de commenter ou de liker. Hein. Mais vous abonner aussi, c'est pareil. Si vous voulez vous abonner, si vous voulez pas, c'est pareil. Moi, je fais pas YouTube pour avoir des vues, pour être abonné. Non, non, moi, je fais YouTube parce que, voilà, YouTube, il te donne un outil pour montrer ce que tu fais, mais voilà, c'est tout. Ok les mecs, bon allez, je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Allez les amis.